Parce que je peux vous dire que c'est un bordel miteux. Dehors ! Elle a tellement mis dans le problème. C'était gênant. Le gage, c'est de chanter. On a pardonné en story Instagram. Je préfère être tout nu comme gage que faire ça. Vas-y, 3, 2, 1, go. Bon, c'est parti, ça tourne. Bon, je vais le faire parce qu'il a du mal avec ça. Bon, la famille, vous avez capté, on attend notre commande, on est au McDo. Déjà, est-ce que vous allez bien? Wesh la famille, c'est Adem et Bilal. Eh, flemme de faire l'intro. Ouais, je suis fatigué de ça, Zarma. Wesh la famille, regardez juste, on est ensemble, entre nous, on passe un bon moment. Bon, du coup, là, on est sorti de l'hôtel, on a dormi dans un hôtel à Toulouse. Là, on est au McDo de Toulouse et on se trouve actuellement à Toulouse. On est à côté de Tolosa. Ok, j'ai pas capté le délire. Mais voilà, c'est vrai. C'est quoi Tolosa? C'est juste à côté de Toulouse. Pourquoi tu mens? Mais je te jure que c'est vrai, c'est Toulouse, Tolosa. C'est vrai. Un vrai blédard. Mais non, c'est comme ça que ça s'appelle. D'ailleurs, la famille, Toulouse, on va être honnête avec vous, pour l'instant, on a fait un petit peu le tour. C'est éclaté. Franchement, il y a rien, il y a 15 McDo, c'est tout. En tout cas, force à tous les Toulousains. Vous, je vous aime bien, mais la ville, je sais pas, elle est pas ouf quoi. T'es pas en mode waouh, franchement, il y a plein de trucs à faire ici. Déjà, il y a pas d'activité. On va demander tout à l'heure, on va essayer de chercher encore, mais la tête d'homme, les frères, ça pue sa mère pour l'instant. Genre, c'est pas l'endroit où je vais aller en vacances quoi. Il y a que la bouffe pour nous épanouir, c'est McDo dès le matin. Allez, on attend la commande. La famille, maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Sans plus attendre, on vous laisse au vlog. Bon visionnage, c'est parti. Moi les refs, j'étais dans la voiture, je viens d'arriver, Adem il veut pas me dire il m'a pris quoi. C'est une surprise. Ok, j'espère que c'est un bon petit déj les frères, parce que j'ai faim. Wesh, tout ce qu'il y a. Y'a que ça frère. Ok. Bonjour. Bon appétit. Merci. Bon alors là il y a de l'iced tea, là il y a un donut. Là il y a un petit macaron au brownie. Attends, pourquoi il y a que ça? Bah, j'ai pris un filet aux fiches frère, c'est un petit déj. Ouais, chez moi. Bah frère, t'as un donut, t'as ta boisson, moi j'ai mon macaron avec ma boisson. Mais c'est pas assez. Il y a trois trucs déjà à 12 balles. Arrête frère. T'as pris un filet aux fiches là dès le matin. Dès le matin mon pote, pour engager la journée. D'ailleurs on va taper un bon croc, c'est là. N'importe quoi. Hey, je vous jure les frères, le donut au McDo, c'est vraiment mon péché mignon. En vrai, il est même pas mignon. Pourquoi ils disent ça d'ailleurs? Et prenez l'iced tea comme ça, le thé glacé. Il est merveilleux, vraiment. Ça rafraîchit de ouf. Qu'est-ce que tu regardes toi, ça va? J'ai tout mangé, je suis éteint. Bon, la famille, de retour à la voiture, la régie nous a envoyé un défi à réaliser. La régie, qui est Bilal, nous dit que le premier défi de cette vidéo, ce sera de ranger la voiture. Parce que je peux vous dire que c'est un bordel miteux. On est obligé de faire le ménage si on veut avancer dans le road trip et avancer avec cette caisse, parce que voilà, c'est plus possible. Étant donné que c'est tout le temps moi qui range la voiture à la maison, qui va laver la voiture avec... comment ça s'appelle? Je sais même pas c'est quoi, donc... Non, l'éléphant... La preuve que c'est pas toi, quoi. L'éléphant bleu, tout ça, c'est toujours moi qui m'en occupe. À un moment donné, j'en ai marre. Je le fais tout le temps à la maison, l'aspirateur et tout, parce qu'il y en a, ils respectent rien ici. Que ce soit Kayla, que ce soit Leia, que ce soit Adem, que ce soit maman, que ce soit papa, oui, lui aussi. D'ailleurs, papa, si tu regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On est à 1000 km, tu peux rien faire. Même si tu m'appelles, je raccroche. Tu vas faire quoi? Quand je veux rentrer, je suis dans la merde. Maman, d'ailleurs, je l'ai jamais dit, mais je veux te le dire maintenant. Des fois, il y a ta cuisine, les bouffes que tu fais le soir, elles sont éclatées. On n'ose juste pas te le dire, en fait. Genre, par respect, on fait « Ah, c'est bon !» Mais dis-toi, après, on commande autre chose avec Adèle. Parce que c'est claqué. Ça, c'est vrai, mais c'est parce que t'as encore faim. Non, en vrai, de vrai, maman, tes plats, ils nous ont manqué. J'en ai marre de manger dehors. Je sais pas, toi aussi, non? J'en ai marre de l'industriel. On fait que de manger dehors, Uber Eats, tout ça. On a plus les plats de la daronne et ça nous manque. Donc ce soir, viens, on va dans un endroit et on mange un plat de daronne. Un plat de maman. Il y a pas de maman comme maman. C'est vrai. Actuellement, là, quand je vous parle, c'est l'Aïd. Donc, Aïd Moubarak à tous les musulmans. Mangez bien le mouton, égorgez-le. Tu le dis en bizarre. Manger, c'est tout. Non, je rigole, wesh. Profitez de votre famille, c'est important, parce que nous, tu vois, on en a plus. Enfin, on en a plus pour l'instant, durant le voyage, vous avez capté. Et Kayla, je t'aime toujours pas, hein. Tu me manques toujours pas, frérot. J'attends que ça vienne, Kayla, mais je sais pas. J'attends que ça vienne. T'arrives pas à me manquer. Et Leia, parlons-en. Oh, alors elle, je l'ai carrément oublié. Je sais même pas si c'est encore ma soeur aujourd'hui. Moi, franchement, quand je rentre, je la regarde même pas, elle. Dehors. Dehors. Fais-le. Non. Dehors. Ah, tu sais pas le faire, c'est pas le faire. Bah, fais-le. Attends. Dehors. Elle a tes amis. C'était gênant. Vas-y, coupe, coupe.
Ça fait 20 minutes, je rigole encore. Eh, pour la première fois, vous avez vu Adem gêné premier degré. Oh là, j'étais pas bien. Vous avez vu sa tête d'avant, là? Mais pourquoi t'étais gêné? En fait, je me mets à son niveau et il est trop gênant. J'arrive pas à être aussi gênant que lui. Et là, je suis encore un peu gêné. Je suis pas gênant, dites en commentaire quand même, je me démerde. Je suis trop drôle, je suis mignon, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai toutes mes qualités. Ah, mais t'es gênant, tes blagues, ils sont pétées, frère. Ah, dehors, une tasse, frère. Dehors? Vas-y, arrête. Ça, j'arrête. Défi numéro 1. Nettoyez la voiture avant de reprendre la route. Bon la famille, juste pour vous capter un petit peu le délire, regardez l'arrière de la voiture. Comment c'est le bordel, vous avez vu ou pas? Le coffre aussi, il est rempli. Il y a plein de bordel en fait. Salut! Là, il y a des papiers partout. Il y a des chaussettes qui puent. Wesh, j'ai trouvé 10 centimes. Je peux m'acheter une sucette. Yes! Ah la famille, c'est tellement le bordel dans la voiture que j'ai trouvé un caleçon. Franchement, il est... Ah merde, il est là. Ouah. Et je me sens pas bien. Le caleçon, là, je sais pas, il était acquis. Il m'a laissé une sale odeur. Ça pue un peu la bite. Mais... Bon, je suis tout mouillé, comment ça fait du bien. On va laisser terminer de nettoyer la voiture. En tout cas, défi réussi la famille, on a nettoyé la voiture. On continue la journée. Et vraiment, là on est déjà mort alors que c'est encore le début de la matinée. Enfin, fin de la matinée là, début d'après-midi. Mission réussie les frères, on a mis combien de temps? Bah je sais pas hein. Moi ce que je retiens, c'est que c'est toi qui as presque tout fait. Bah presque, j'ai tout fait. T'abuses. T'as mis juste un sac dans le coffre. T'abuses, c'était pour la caméra moi. Ouais, bah c'est tout. Bah moi je m'occupais de filmer en fait. Tu vois les beaux plans, c'est grâce à moi. T'as servi à quoi là-dedans toi pour la vidéo? À rien. Bah si, je suis acteur, je suis compositeur. C'est claqué. Et voilà. Voilà quoi. Bon du coup la famille, je sais pas ce qu'on va faire à Toulouse, on va voir s'il y a des activités. Tout à l'heure quand j'ai dit Toulouse c'est claqué, c'est pas que c'est claqué, c'est que y a pas trop d'activités, y a pas trop de trucs à faire. En fait comme on connaît pas, on juge à première vue, c'est pour ça. C'est vrai qu'à chaque ville à la fin on a dit ouais en vrai c'était pas mal hein. Ouais, genre on dit ouais c'est pas ouf hein. Et une fois qu'on est parti, deux jours après on fait eh en fait c'était bien Angers, eh en fait c'était bien Toulouse, eh en fait c'était bien, t'as capté? Bref, là on va passer, on va faire un gage, je pense. On va tout de suite à un endroit parce que le gage m'a été envoyé par moi. Du coup à tout de suite. Je regarde même pas la caméra quand je parle, je regarde même pas les abonnés, je suis vraiment désolé, pardonnez-moi. Bon, là on est dans un parc, y'a personne, heureusement, parce que ce qui va se passer, ça va être ultra gênant. Ça va être une maxi gênance. Hier on n'a pas fait le défi, enfin il nous en manquait un, du coup on a un gage aujourd'hui. Le gage c'est de chanter on a pardonné. Mais les refs, c'est de le mettre en story Instagram. C'est une dinguerie ça. Et le chanter devant tout le monde, genre avec attends, en voix aiguë ou en voix normale? Non, en voix normale, frère, déjà que notre voix normale elle est aberrante. Genre ça veut dire là chanter premier degré la musique, genre vraiment au maximum qu'on peut donner. Non, pas au non, on si, chante si, quoi, on chante. Dans ta tête, t'es une diva, genre dans ta tête, t'es quelqu'un. Ok. Genre, faut vraiment prendre le truc à 100%. T'es chaud ou pas? Ah, je suis chaud de réaliser ce gage. C'est trop gênant, les frères. Frère, on prend le risque à chaque fois de pas faire les 4 défis. Et bah, il faut un gage maintenant. Bon, vas-y, je chante. Bah, je suis un ouf. Ah, ok, vas-y. Non, calme-toi. Vas-y, chante. Non, pierre, feuille, ciseaux. Le gagnant, et bah, il gagne, le perdant, il doit chanter. Oh la dé sa mère. Allez, ça on y va. Du stress. Pierre, feuille, ciseaux. Pourquoi c'est toujours moi les trucs comme ça? Il va s'afficher sur Insta. Force mon ref, allez, je te mets l'instru. Mais c'est très très grave ça. À chaque fois, moi j'ai les gages gênants. Ouais, Bilal, il est trop gênant dans les vidéos. Bah voilà, c'est pour ça. Wesh, la team Insta, posez pas de questions. Timide à la base à l'espace. Oh, c'est trop gênant. Oh, posez pas de questions. Oh, non, mais Bilal. Là, y'a pas de recommencer, c'est du one shot. C'est trop gênant, je peux pas. Mais c'est du one shot. On dirait tout le monde me regarde, y'a tout Paris-Bercy là. Allez, t'es un putain d'acteur, mec. Timide à la base à l'espace au flash de la cam. Millions de vues. Starpola, c'est une dinguerie. C'est trop gênant. Je peux pas mettre ça. S'il te plaît, Adem. Viens, change de côté. T'inquiète, bats les couilles, tu vas le faire. Juste mon couplet et un petit peu du refrain. C'est parti. Timide à la base à l'espace au flash de la cam. Millions de vues nous changera pas. Mais j'avoue que l'argent donne du charme. Ici c'est Dieu qui donne, mais je n'ai jamais abandonné mes espoirs pour tout prendre. On a d'abord du tout donné, inséparable. Pourtant on n'est pas si à moi, à deux on est complémentaires. Sans lui je perds une part de moi, de nous fourrir à nos larmes,
De nos échecs à nos drames. Quand je vois la lueur dans ses yeux, je sais qu'on peut gravir des montagnes. Les profs nous disaient pourtant que l'on échouerait. Les faux amis qui se moquaient, notre buzz les a trop retournés. Maman a découvert, hamdoulay, on a renfloué. Dans nos cœurs, c'était le désert, toutes nos relations échouées. C'est le rêve de toute une vie, jeune Bob reconnu dans la ville. On fêtera le million en famille, maintenant qu'on l'a mise à l'abri. C'est trop gênant, c'est trop gênant. C'est trop gênant. C'est maxi gênant, si tu vas mettre ça sur les réseaux. Je préfère être tout nu comme gage que faire ça. Story. Voilà, maintenant on attend un peu, on va voir ce que les gens ils vont dire, mais t'es pas prêt mon ref. Oh, je suis pas bien, la honte, je préfère me mettre à poil, voir le lambada faire ça en ville, frère. T'es chaud? Non. Pierre fait ciseaux. Y'en a, ils sont en train de répondre, c'est parti. Premier message. Tu gères de ouf? Wesh. Vous êtes où? Ok, on s'en fout. La voix mieux que dans le clip, c'est comment? T'es chaud. La tête de Homme Abdoulay, on changera pas malgré le nombre d'abonnés. Attends, ça y est, frère. Toi, du coup, il va croire, il est nouveau, arrêtez de mentir, les frères. C'est bon, nouvelle carrière, les frères. On se lance dans la musique. Bon, la famille, pour en revenir sur le gage, vite fait, parce que là, il y en a, ils renvoient des messages. Voilà, tu chantes grave bien. Ouais, je sais. Non, moi, je te jure, j'ai kiffé. Nique ta mère avec ta gênance. Ça sent le gage. Ouais, bref, il y en a, t'es trop fort. Il y en a, ils ont capté que c'était un gage. Du coup, là, on est en centre commercial. Là, devant nous, il y a Jiffy Jiffy, Adem, c'est quoi le reste? Des idées de génie. Comment je suis trop fort pour vous mettre le gène, les frères. Ah, je suis trop fort. Bon, la famille, les prochains défis, ça va être tout simplement de faire 4 cotes. En gros, on en a 2 chacun. Comme ça, on peut voir si on peut acheter ce qu'on veut, si on a envie de quelque chose. C'est le moment, Adem, de se faire du sale. Ok, t'es mort. On a chacun notre carte bleue, et puis on verra ce qu'on va trouver. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Vous voyez ce logo? Il y a un Lacoste juste devant, j'y vais. En fait, il avait déjà tout prévu, lui. La tête d'homme, je savais même pas qu'il y avait un Lacoste à Toulouse. Il y en a un, j'y vais, fin. C'est bon pour moi, t'as qu'à trouver un truc que t'aimes, fin. Oh, ok, quand t'as combien, tu y vas, tu prends ce que tu veux. Mais non, c'est à moi de te le dire. C'est après, c'est toi qui vas me payer. Ah, ok. Il est con. Il est con. D'ailleurs, on va aller au Lacoste là. Et j'ai un cote. La tête de Ham, qu'il est pas prêt, il va m'acheter un vrai truc. Minimum 100 balles, je m'en bats l'air. Défi numéro 2. Faire 4 cotes à combien? 2 chacun. Adem, j'ai encore un cote juste avant d'aller à Lacoste. Cote à combien? Genre, on passe devant quelqu'un et tu fais un gros rot grâce à ça là. Je l'ai fini. Et arrête, je sais que t'as envie de roter, t'as tout le temps envie de roter ou péter. Fais pas genre là, t'as pas envie. Vas-y, cote à 5. Ok, 1, 2, 3, 3. Oh le bâtard. Adem, je veux te dire le prix, hein, on va faire ça tranquillement. 115 euros, c'est bon? Du coup, Adem, cote à combien? Si je gagne le cote, tu me la payes. Je suis chaud pour un cote à 6. Cote à 6? Cote à 6. T'es sûr? Ouais. 1, 2, 3. 3. Star. Allez, attends, attends, attends. Voilà, dingue, attends, attends. Moins 100 balles, les refs. C'est carré, c'est bon? 115. Bah ouais, 115. Il est pas yum. Je suis en pétard, les frères. Tu me la prends? J'ai pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Allons, bon. Vous la prenez? Ouais, on la prend. J'ai pas le choix. Ouais, on la prend. Moi, je vous reconnais pas. Oui. Ouais, plaisir. Faites vos achats et... Ok, ok, pas de soucis. La famille, j'avais tout prévu. J'ai un compte Lacoste, j'ai tout ce qu'il faut. Il a juste à Khalas, frérot. Ah, tout est là, c'est carré, c'est validé, les frères. Lacoste, on part là-dessus. Merci, Adem. Enfin, non, pas merci, t'avais intérêt plutôt. Ouais. Et ouais, les frères, acceptez. Merci. Bon, la famille, là, on avait qu'un abonné. Écoutez, s'il gagne au pierre, feuille, ciseaux contre Adem, vous lui avez acheté un truc ou pas? Oui. T-shirt. Et ben on lui paye le t-shirt, c'est bon ou pas? Vas-y, pierre, feuille, ciseaux, si tu gagnes, tu l'as, c'est bon? Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai gagné. Attends, attends, vas-y, vas-y, faites en deux. Vas-y, en deux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ah ça, voilà, je lui paye quand même, moi, avec plaisir. Bon bah Adem il lui paye quand même les refs. Adem, faut en parler, tu l'as éteint au pierre feuille ciseaux. Voilà, je lui ai mis un 2-0 mon pote, incroyable. On lui a quand même pris parce qu'en fait les trucs comme ça c'est trop gênant, genre après. Ah oui. Bon vas-y hein, bonne continuation. Ah ça se fait, on peut t'en lui prendre. Ça fait trop crevard, on était obligés frère. Bon la famille, voici la sacoche. Regardez, elle est grave stylée, il y a des trucs et tout dessus. Du coup j'ouvre l'intérieur et la vie de ma mère, c'est quoi ça? Ah c'est une petite sacoche aussi. C'est une petite pochette. C'est un petit sac à dos. C'est sympa. T'sais, il m'a dit wesh, j'ai un truc dedans. Tu crois qu'il y avait un t-shirt ou quoi? Voilà, je croyais qu'ils avaient mis un t-shirt. J'ai trop le seum. Allez, c'est là, wesh, t'es trop long, frère. Voilà, regardez ce que ça fait, les frères. Elle est comme Asta, elle est incroyable. Vas-y, recule un peu, tu leur dis. Validé ou pas? Franchement, validé, hein. Ça cache ton ventre. Attendez, j'enlève l'ancienne. Celle-là a plus la merde, du coup. Ah, c'est incroyable, je suis trop content. La famille, il y a une fontaine juste ici. Adem, cote à combien? Tu vas dans la fontaine et tu joues à l'eau, tu plonges dedans et tout. C'est vraiment une dinguerie puisqu'elle est hyper sale. Tu joues le jeu, hein? Vas-y, je joue le jeu, je fais une cote, je m'en bats les reins, mais c'est hyper sale. Oh, vous pouvez y aller? On filme nos têtes. Oh,
Vas-y, cote à 5. 1, 2, 3, 4. Ok. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Sauf qu'il y a... Sauf qu'il y a un truc, on a le droit au reverse. On en a un chacun. Ouais, bah reverse. Ok. À deux du coup. Ok. 1, 2, 3, 1. Allez, saute. C'est très très grave ça. Oh, c'est une dinguerie. Oh là là. Je fais que les trucs de merde. Allez, Bilal, c'est le grand jour. Oh la dinguerie, gros. Ma nouvelle sacoche, elle va rester ici. Je peux enlever au moins mes chaussures ou pas ? Bah oui, bah oui. Pas, c'est gênant, vas-y. Allez, prépare-toi mentalement. Vas-y, 3, 2, 1, go. Ah, ça pue sa mère, les frères. Bon bah, défi réussi, je vais prendre la douche, j'arrive. Mais c'est sale, wesh. Ah, c'est bien, j'ai réussi, mais mon maillot du Maroc, il est mort, ça pue. Vous savez, ça sent quoi ? Ça sent la pluie. Là, je sens la grenouille ou le crapaud, frérot. Regardez le sol. Eh, la famille, on le coûte même pas en cote. Hein. Ça, c'est pas un cote, c'est un défi, frère. C'est un défi, frère. Ouais, je me suis mouillé et tout. C'est mort, j'ai trop le seum. Là, faut que je sèche. Regardez. Vas-y, attends, filme de près. Regardez mes chaussettes. Wesh, il a mouillé la ville. Allez, hop, j'ai mis des chaussures sans chaussettes. Et vous voyez les chaussettes. Vas-y, fais le plus fort possible. Comme une grosse claque. Ok. Vas-y, on arrête. Adem. Arrête. La famille, j'ai un cote. Attends, viens, filme-nous nous deux. Je sais à peu près ce qu'il veut me faire, c'est une dinguerie ce que tu veux faire. Cote à combien ? Le jus de chaussette, je le tire dans ta bouche et tu t'avales du jus. Non. Mais Bilal, là, ça impacte la santé. Gros. Non, je m'en bats les reins, joue le jeu. Vas-y, cote à 8, frère, c'est une dinguerie. 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai le droit à un reverse ? Ouais. Bah, ouais. Non, bah non, t'en as déjà fait un. Mais non, on a le droit à deux reverse chacun, on avait dit. Ah. Ah, bah reverse. Reverse à 4, du coup. 1, 2, 3, 3. Oh, le tonton. Allez hop, jus de chaussette, façon. Mais non, mais le fais pas. Je rigole, vous êtes fous quoi. Tu as cru, hein ? Et bah non, jus de chaussette. Ça sera par terre. Eh, les chaussettes, je voulais les jeter parce qu'elles sont mortes. C'est pas, il me dit non, c'est des chaussettes Nike, on les garde. Mais frère. Bah vas-y, garde-les alors, mets-les dans ta sacoche. Je les garde, je vais les sécher à la maison. Eh, la famille, je suis revenu à la voiture. Enfin, on est revenu à la voiture pour que je me change. Là, j'ai une petite bouteille d'eau. Adem, écoute-moi. Ouais. J'ai une cote. Cote à combien je pisse dedans. Adem, tu dois te laver les mains avec. Mais ouais, c'est une dinguerie ce que tu proposes. C'est de la pisse. Vas-y, cote à combien, joue le jeu. Je la remplis. C'est une dinguerie en vrai. Du coup, cote à 10, frère. Ok, 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, j'ai plus de gros reverse. Ouais, c'est fini. Hein. Bon, vas-y, je pisse quand même dedans. La famille, je l'ai fait. Adem, viens voir. Je vais te montrer un truc vite fait. Tiens, bonne dégustation. Malade, je laisse pas toucher ça. C'est du jus de pomme, c'est du jus de pomme. Bon, vas-y, j'ai soif, les frères. Bismillah. Ah, ferme. À la vôtre. Ah, imagine, le bouchon, il s'ouvre, je l'ai dans la gorge. Allez, on arrête nos conneries, là. Bon les frères, j'ai ramené Bilal à Intersport. Ça veut dire qu'on va faire une cote ici. J'ai l'impression qu'il veut quelque chose. En fait, on est dans le rayon de paires de chaussures. Je me prends une sacoche, il est obligé d'avoir quelque chose. Bah t'as dit on fait des cotes, si t'es chaud, bah vas-y, okay. vas-y. J'ai besoin de paires de chaussures, je pue des pieds dans celle-là. Faut les changer en fait. T'inquiète, j'ai trouvé une belle paire, regardez, je vous les montre. Une belle paire de ASICS Comas, incroyable. 69 euros. Ouais, et tu peux pas parler de prix frère. Ah c'est vrai, mais y a le mot 69 dedans. Vous avez vu la ref Bref, cote à 6, tu me les prends. Bah c'est moi qui décide. Non, je te le dis, 6 en fait. Ok, 6. 1, 2, 3, 2. Bah putain. Tiens, allez. Dites en commentaire si vous avez kiffé la mise en scène, parce que c'était clairement fait exprès. Ouais, en fait, je les voulais juste, en fait. En fait, ils voulaient une paire, ils voulaient un truc obligé, j'ai dit vas-y viens, on fait un truc fake. Voilà les refs, donc faites attention aux youtubeurs que vous regardez, des fois c'est fake. Ils font exprès de faire genre, oh, mais en fait c'est qu'une mise en scène. Donc voilà, vous avez aussi la réalité des choses d'être youtubeur. Mais aussi dans tout le reste qu'on a fait avant, bien sûr les refs c'était réel, gaze, c'était faux. Non, là c'est vrai, c'était vrai. Bon, la famille, eh, vas-y frérot, on est avec des abonnés de Toulouse, les refs. Oui, 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 Jarvar, Lilian et Ryan, de vrais abonnés. Vas-y, essaye de faire notre intro, genre. Zarvar, vas-y, attends, j'essaye. Wesh, la famille, c'est Adem et Bilal. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça va y coller quand même. Bon, la famille, on est sur un parking. On vient d'acheter Quick parce que justement, on vous a pas dit à vous. Mais le prochain défi, c'est quoi ? En gros, le prochain défi, les frères, ça va être de réaliser un tacos 100% Quick. Ça veut dire que du pain pita jusqu'à l'intérieur, ça doit venir de chez Quick. C'est ça, sauf que c'est sous forme d'un tacos. Adem et Bilal sans tacos, c'est pas Adem et Bilal, les frères. On relève le défi. On a acheté des petits trucs de chez Quick. C'est parti. Défi numéro 4, faire un tacos avec les aliments de chez Quick.
Alors là, on a un wrap, deux wraps. Ça va servir pour faire, en gros, c'est le pain tacos. On l'a pris pour ça. Et à l'intérieur, il y a du jeune blanc de dinde. Bah, ça va servir en une viande déjà. C'est parti, on ouvre. Regardez le pain tacos qui va servir pour la garniture. Après, il y a des nuggets. Alors la famille, pour le tacos, là on a le tenders, enfin le blanc de poulet, je sais pas ce que c'est. On va le couper en petits morceaux. J'ai gardé la sauce naturelle du wrap. J'ai enlevé les tomates, les oignons et un petit peu de sauce parce qu'il y en avait trop. J'ai gardé aussi, regardez là, c'est du bacon. Donc je le garde, ça va faire un supplément viande. Ça veut dire pour l'instant il y a deux viandes. Là il y a le menu Giant, ici il y a le suprême, c'est carré. Alors, on va prendre le menu Giant, on va l'ouvrir les frères. Allez, on met un petit peu de salade, comme ça on récupère un petit peu la sauce du Giant. Et là, on prend le steak plus le cheddar et on vient le couper ici à l'intérieur du tacos. On a un méchant tacos 3 viandes pour l'instant, ça donne trop envie. Après là, on a les jeunes frites, parce que dans un tacos, les frères, obligé, il y a des frites. Et pour la sauce fromagère, on va oublier, il y a déjà la sauce des burgers. Ça suffit, après, pas besoin de sauce fromagère, hein, ça, il y a le cheddar et tout. Du coup, hop, on étale les frites. Là, on a un tacos spécial A et B, il est incroyable. Bien sûr, j'ai pris ça aussi. J'ai pris un cheeseburger et un suprême burger. Mais je veux pas mettre ça dans mon tacos. Ça en fera trop. Ça, là, on a vraiment le tacos typiquement de chez Quick. Bon, la famille, regardez à quoi ressemble le tacos. Donc, franchement, il est petit. Mais ça, il est mignon. Ça donne envie. On va goûter Adem, après tu vas m'en dire des nouvelles. Le tacos spécial Quick. On a rajouté des nuggets aussi à l'intérieur de chez Quick. On va voir ce que ça donne. C'est un mélange de toutes les saveurs. Burger, wrap. Ah, il est incroyable, voilà. Wow. Deuxième croc. Ça, tu vas goûter. Bon, c'est parti, on goûte, bismillah. La tête d'homme, tu vas pas en revenir. Il a un de ses goûts, mon pote. Regardez la famille. T'as vu ou pas? Il est incroyable. Parfait. Voilà. Tu valides ou pas? Un défi validé. Tacos Quick de chez Adem et Bilal. C'est comme ça que ça se passe. En version halal, les refs. On peut pas le faire chez McDo, on l'a fait chez Quick. Oh là là, terrible. Incroyable. Eh, rappelez-vous, j'ai lavé la voiture tout à l'heure. C'est comme ça avec Adem et Bilal. Même la voiture, elle a besoin de manger, frérot. Wesh la famille, là on se retrouve le lendemain. À l'heure actuelle où on vous parle, on est déjà dans la prochaine ville qui est Montpellier. Les frères, on est à Montpellier. En gros, le prochain vlog, ce sera à Montpellier. C'est juste que là, on est arrivé plus tôt. On avait terminé ce qu'on avait à faire à Toulouse. C'était un petit vlog comparé à d'habitude, les frères. En espérant que vous avez kiffé quand même. On va pas se mentir, c'était bien, mais il y a pas grand chose à faire à Toulouse. C'est vrai qu'il y avait pas beaucoup d'activités, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, dites si vous validez ma coupe, les frères. Et je voulais vous dire aussi, en vrai de vrai, on prend du plaisir à tourner le road trip, les vlogs, tout ça. C'est incroyable. Moi, il y a juste une chose, Adem, c'est que on n'a pas l'habitude, même si j'ai 21 ans, t'as 20 ans, c'est la première fois de toute notre vie qu'on voit pas nos parents, genre pendant 10 jours, 12 jours, 2 semaines. Là, ça va faire 20 jours en tout le road trip. On a l'habitude d'être toujours avec nos parents, de tout faire avec eux, et puis là, ça fait bizarre de pas être avec eux et tout. Moi, ça me fout le seum parce qu'en vrai de vrai, ils me manquent. Mais t'inquiète, juste après, on va aller en voyage juste avec, en tête à tête avec notre daron. Ouais, c'est vrai. En tout cas, voilà, ils me manquent. Maman, papa, si vous regardez, on est ensemble. Voilà, je vous kiffe. Gros bisous à vous. Je vous aime. Et puis voilà, et toi, tu leur dis pas que tu les aimes. Tu sais que Adem et Bilal, c'est une personne, donc si tu parles, c'est pareil pour moi, tu vois. Ok, mais c'est trop facile de faire. Non, mais oui, je les aime. Ah, il est bien. Non, moi, j'ai pas. Moi, je suis un mec. Chalambalana. Puis c'est un mec, il montre pas. Donc, du coup, les refs, vous avez capté. On arrive à la fin de ce vlog, frère, c'est tout. Ouais, c'est fini, les frères. En tout cas, merci à vous, ceux qui nous suivent, qui regardent les vidéos, qui mettent les pouces bleus, qui s'abonnent. C'est grâce à vous qu'on peut vivre aussi des choses comme ça, de voyager, c'est incroyable. Voilà, merci à vous, les frères. Sur ce, la famille, partagez la chaîne. À vos amis. Et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau vlog. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, le monteur, il est pas là. Pendant une semaine, il part en vacances. Non. Ça veut dire, on va espacer les vlogs. Si c'est tous les 4-5 jours, c'est normal. Parce qu'il est pas là. Ah, c'est le temps qu'il rentre, en fait. Quand il rentre, on reprend. Et il y aura le reste des vlogs tout simplement et des autres villes. Restez bien à l'affût les refs. C'était Adem et Bilal. Salam la famille. Salam la famille, gros bisous. Mouah.